Le duc et la duchesse ont gardé un profil bas pendant le week-end du jubilé de platine de la reine lors de leur première apparition au Royaume-Uni depuis plus de 2 ans, mais ont célébré le premier anniversaire de leur fille. Le prince Harry et Meghan Markle ont organisé une première fête d'anniversaire décontractée pour leur fille Lilibet ce week-end, les enfants royaux étant invités à une charmante garden party. La semaine dernière, le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés au Royaume-Uni pour la première fois depuis qu'ils ont quitté leur poste de royal senior pour participer aux célébrations du jubilé de platine de la reine. Le couple a gardé un profil bas pendant le week-end, bien qu'il ait salué l'immense foule qui s'était rassemblée devant Saint-Paul avant le service d'action de grâce de vendredi. Le week-end du jubilé était également la première fois que la monarque, 96 ans, était présentée à son arrière-petite-fille homonyme, le couple s'étant rencontré après Trooping the Colour de jeudi. Bien que cela reste à confirmer officiellement, Harry et Meghan ont célébré le premier anniversaire de la petite Lilibet samedi à Frogmore Cottage avec une garden party décontractée. Il est entendu que les cousins au second degré royaux ont été invités aux festivités qui comprenaient un gâteau d'anniversaire, des ballons, des jeux de société et des collations, rapporte Mail Online. Les 3 enfants de Zara et Mike Tyndall, Mia, 8 ans, Lena, 3 ans, et Luca, 1, ainsi que Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans, fille de Peter Phillips et Autumn Kelly, ont été invités aux célébrations. Il en était de même pour le parrain des Archie, âgé de 3 ans, Charlie Van Strobenzi, et son frère Tom, qui est le parrain de la princesse Charlotte, s'est entendu, une source a déclaré au Sun. C'était une belle activité et il y avait tout ce que vous attendez d'une fête d'anniversaire pour enfants. L'idée était que ce soit très détendu et décontracté, avec des gens libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient. C'était la première fois que Lilibet venait ici au Royaume-Uni, et cela a été l'occasion pour certains des enfants royaux de la rencontrer enfin.